Les aigles se rassemblent. Lettre du mercredi 1er décembre 2021 du frère Joseph Branham aux aigles qui se rassemblent autour de la voix du septième ange. Chère épouse de la voix, je crois que je peux parler pour chacun d'entre nous quand je dis que nous venons de passer le plus grand week-end de l'action de grâce de notre vie. Gloire! Nous avons entendu parole sur parole, révélation sur révélation. Notre soif a été étanchée par la seule chose qui puisse le faire, sa parole, le message de l'heure, Christ lui-même qui parle à son épouse. Frère Joseph présente une écriture. Maintenant nous voyons cette même parole promise de Luc de Malachie. Toutes ces autres promesses pour aujourd'hui, qui s'est faite chair, qui habite parmi nous, et dont nos oreilles avaient entendu parler. Maintenant nos yeux le voient interpréter sa propre parole. Nous n'avons pas besoin de l'interprétation des hommes. Ô Église du Dieu vivant, vous qui êtes ici ou qui êtes reliés à nous par le téléphone, réveillez-vous rapidement avant qu'il soit trop tard. Que Dieu vous bénisse. Fin de citation, frère Joseph continue. Aurions-nous pu imaginer que nous regarderions de nos propres yeux à la parole vivante de Dieu manifestée? Que nous regarderions à la parole vivante interprétée sous la forme naturelle Dieu parmi nous? Pas étonnant que les vieux sages entendaient ce jour, mais maintenant, nous vivons dans ces jours promis. Voyons et entendons cela même, cela être manifesté de nos propres oreilles et de nos propres yeux. Nous avons entendu parler de toi, que tu pouvais créer des écureuils. Nous avons entendu parler de toi, que tu pouvais créer un bélier. Mais maintenant, nous t'avons vu de nos yeux, la manifestation, la vision rendue visible. Qu'est-il alors? La parole interprétée est la manifestation du nom de Dieu. Peu importe ce que les critiques disent, nous sommes dans sa volonté parfaite en nous rassemblant dans nos maisons, dans nos églises, ou peu importe où nous nous rassemblons, écoutant sa voix. Écriture. Si je ne crois pas qu'on doit aller à l'église, pourquoi est-ce que je fais moi-même des réunions à l'église? L'autre soir, il y en avait d'un bout à l'autre du pays qui était relié à nous par le téléphone. Tous les 200 000, 300 km², il y avait une de mes assemblées. Fin de citation, frère Joseph continue. Ces assemblées sont reliées partout dans le monde pour entendre la voix de Dieu parler et appeler son épouse à sortir. Il n'y a pas de levain parmi nous. Ce qui fait descendre la plénitude et la divinité corporellement parmi nous. Le Fils de l'homme est manifesté, révélé et il rassemble l'Église par la divinité de Dieu au milieu de nous. Il nous montre les mêmes signes visibles et la manifestation de lui-même, comme il a fait au commencement, alors qu'il était manifesté sur la terre sous la forme d'un Dieu prophète. Écriture. Promis par Malachie 4, promis par le reste des Écritures, où adorez-vous? À la maison de Dieu, assis au présent. Fin de citation, frère Joseph continue. Je suis tellement reconnaissant au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour son épouse en ces derniers jours. Il nous encourage, nous rassure, en nous affirmant que nous sommes ses élus qui étaient en lui avant la fondation du monde. Quel moment merveilleux que celui-ci pour son épouse. Le Seigneur m'a mis à cœur de continuer ces derniers messages qui ont été emmagasinés pour son épouse. Je suis tellement béni de penser que notre Père a pourvu d'un moyen pour que nous soyons tous unis ensemble de partout dans le monde pour écouter ces messages. C'est véritablement l'union invisible de l'épouse de Christ. Comme nous n'avons pas pu tenir de réunion ensemble localement à cause de la COVID et des rénovations du nouveau sanctuaire, il y a deux choses qui nous manquent et que nous désirons ardemment faire.
Il s'agit des deux choses que le Seigneur a commandé à son épouse de faire jusqu'à son retour. La communion et le lavement des pieds. En priant et en sondant le Seigneur, il a mis sur mon cœur que nous ayons la communion et le lavement des pieds avec nos familles. J'étais tellement béni et excité quand il m'a mis cela à cœur. Nous pouvons le faire. Nous le ferons à la date exacte du dernier service de communion que Frère Branham a eu quand il était ici avec nous, le 12 décembre 1965. Nous aurons aussi la bénédiction de l'entendre de nouveau diriger le service de communion et de lavement des pieds pour nous. Je vous enverrai une lettre et je publierai un article en ligne sur le site du Branham Tabernacle. Tous les détails seront en ligne dans quelques jours. Je vous promets que ce sera un moment que l'épouse n'oubliera jamais. Je suis dans une grande attente de voir les grandes bénédictions qu'il nous donnera. En commençant ce samedi-ci, nous écouterons notre voix nous apporter le message « L'enlèvement » du 4 décembre 1965 à 9h, heure de Jeffersonville, qui fait 15h, heure locale. Ce sera 56 ans au jour près, après que Dieu a parlé par son messager et placé sa voix sur bande magnétique, afin que l'épouse puisse festoyer sur elle et mûrir, se préparant à l'enlèvement qui vient bientôt. Nous continuerons l'horaire en nous rassemblant dimanche à 14h, heure de Jeffersonville, qui fait 20h, heure locale, pour écouter les choses qui sont à venir, du 5 décembre 1965. Puis lundi, nous écouterons les événements modernes rendus clairs par la prophétie du 6 décembre 1965. Mardi, nous écouterons être conduit du 7 décembre 1965. Vous pouvez écouter ces messages à l'heure qui vous convient, à vous et votre famille. Comme la semaine dernière, nous passerons ces messages sur Voice Radio à 9h et à 19h, heure de Jeffersonville. Frère Joseph présente un lien où nous pouvons voir le calendrier des sermons. Vous trouverez ici un calendrier des prochains jours avec l'horaire et le titre des messages que nous écouterons. Dans les prochains jours, je vous enverrai une lettre et je mettrai en ligne l'horaire de notre prochain service de communion. J'ai hâte d'être avec vous, son épouse invisible devant son trône. Que le Seigneur vous bénisse, frère Joseph Branham.